Kolda. Dans la capitale du Fuladou, le Fonds de financement de la formation professionnelle et technique fait un important travail en ce qui concerne la formation du personnel des entreprises et organisations professionnelles, mais aussi pour les jeunes. Ici, plus de 300 jeunes sont formés dans le cadre du PFI, le projet formation insertion électro de bon de formation. Le 3FPT accompagne aussi les centres de formation professionnelle de la région. Au niveau de Kolda, je dois avouer que le 3FPT a fait énormément de choses pour les centres de formation. Non seulement pour les centres, mais également pour les jeunes qui sont en quête de qualification. Le 3FPT est dans un principe de faire-faire. Donc nous ne formons pas, mais nous finançons la formation. La région de Kolda compte 4 centres de formation professionnelle. Parmi eux, le Centre régional de formation professionnelle de Kolda. Créé en 1991, le CRFP dispose de 5 filières de formation. Depuis quelques années, le centre a noué un partenariat avec le 3FPT, un partenariat d'une importance capitale pour le centre et ses apprenants. Avec ce partenariat, nous avons bénéficié de PFI. Le projet de formation insertion nous a permis de construire une salle de classe et le pays un atelier en électricité équipé. C'est un partenariat très important qui nous permet de faire beaucoup de choses. Cap ensuite sur Velingara, à plus de 120 km de Kolda. La localité dispose d'un centre de formation professionnelle qui forme également sur 5 filières, à savoir l'horticulture, la production d'élevage, la restauration, la coiffure, l'habillement et la couture. Ici également, le 3FPT a accompagné ce centre qui compte 269 apprenants. On avait créé un projet dans le cadre de l'agri-élevage avec 90 jeunes, 30 en embauche, 30 en aviculture et 30 en maraîchage. Plus de 50% des jeunes qui ont bénéficié de cette formation-là ont eu un accompagnement à travers des financements. Donc c'est cet accompagnement-là qui a permis, en tout cas à plus de 50% de ces jeunes qui ont participé à la formation, d'exercer actuellement des activités. Parmi ces jeunes, deux d'entre eux habitent Kerewan, dans la commune de Kandia, à une dizaine de kilomètres de Velingara. Tinda Sumbundu s'active dans l'aviculture. Après sa formation, il a été financé pour sa ferme avicole. Vraiment, c'est très intéressant pour nous, particulièrement moi-même aussi, c'est très important pour moi. Parce que, comment j'étais avant et aujourd'hui, c'est très différent. Parce que beaucoup de choses, c'est moi qui fais pour moi-même, pour la famille aussi. Hassana Baldé, un autre jeune de Kerewan formé à l'embauche bovine, a acquis beaucoup d'expérience grâce à la formation reçue. Ça va bien, je dis. J'ai commencé de voir le chemin quoi, avec l'embauche bovine. Alhamdulillah, je ne dis pas que toute ma famille compte sur moi, mais je vois certaines choses. Ça, je les règle moi-même. Mais c'est grâce à 3FPT et la DERB. Sur la route de Kolda, à une trentaine de kilomètres de Velingara, Kunkani, cette localité dispose également d'un centre de formation professionnelle. Ici se trouve une association qui regroupe les migrants de retour. Pour permettre à ces migrants de rester et de réussir au pays, ils ont été formés en pisciculture, en aviculture et en maraîchage. Une formation financée par le 3FPT. Dundu bo xamantene ñun dañ ko mësa dundu moy wutum yoon illégal. Donc depuis ñu créé association bi, mën na né premier ñu xamantene ñu talal loxo moy 3FPT ñu talal loxo ba fuñ tollu ni. À Kolda, nous sommes aussi allés à la rencontre de Fiacre Sambou. Formé en restauration grâce au 3FPT, il est aujourd'hui embauché porte le relais de Kolda. Formation buma def tay gis na njeringom bi def na 3 ans restauration en CAP après ma delwa def 2 ans en BEP après ñi woma fi hôtel relais ma ñew fi def fi stage 6 mois mais gis na njering bi moma permette ma am fi liguey ma yon Kaolack. À plus de 60 km de Kolda, Medina Yorofola. Dans ce département se trouve le centre de formation professionnelle créé en 2010. Le centre s'est développé à travers la construction de nouvelles salles de classe équipées. Le 3FPT nous a accompagnés aujourd'hui. On a eu 2 salles de classe. Une salle pour la santé hygiène, entièrement équipée, et une salle pour l'habillement, qui est entièrement équipé. À Medina Yorofla, nous avons rencontré Boubou Nimbalane, un étudiant de l'Université virtuelle du Sénégal à Kolda. Sa rencontre avec le 3FPT qui a financé sa formation s'est faite à travers le CFP de Medina Yorofla. Aujourd'hui, il est recruté au service des eaux et forêts avec le programme Heuyindaouni. Centre de formation, oui. Nous avons vu, mais c'est mon amour, mon fils.
bo gisé lolou yëm ñu am ko formation en maraîchage ak en aviculture grâce centre bi la ak 3 FPT waaw programme xew ndaw yi tay luma jàngé ci centre bi mom momako permettre dans la région de Kolda 87 586 600 francs CFA ont été investis pour le projet formation insertion PFI. En termes de construction et investissement, c'est 201 838 000 francs CFA investis dans la capitale du Fouladou. Le bilan est très satisfaisant aujourd'hui et nous allons accompagner les centres à la mise en place de tout ce dispositif-là, aux côtés bien sûr des partenaires que sont aujourd'hui l'ACFOP ou l'AFD et également la coopération luxembourgeoise. À travers ces importantes réalisations dans la région de Kolda, le Fonds de financement de la formation professionnelle et technique ambitionne également de multiplier ses actions dans le Fouladou. Et avec tous ces investissements, le 3FPT est un levier pour la performance et plus qu'une réalité dans la région de Kolda.